L'OTAN est pleine de va-t-en-guerre et elle n'arrête pas de multiplier les provocations vis-à-vis de la Russie. Mais un petit miracle semble se dessiner et la Turquie va peut-être finalement nous protéger d'une nouvelle guerre mondiale. Mais avant de parler de tout ça, eh bien, je vais prendre la question que Jean m'a posée dans les commentaires. J'en veux encore est alcoolique et il me dit qu'à cause de ça, sa santé est altérée. Ben attends, Jean, si ta santé est altérée, fais-la boire. Vous-même, si vous avez des questions santé à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si je vous parle aujourd'hui de l'Europe, de l'OTAN et de la Russie, c'est parce qu'un vieux prof d'histoire, Walter, m'a dit que les choses allaient forcément mal tourner. Walter Lowe, c'est un prof d'histoire et il connaît très bien l'histoire du XXe siècle. Et pour lui, eh bien, on se retrouve à peu près dans la situation qu'on avait connue pendant la guerre froide. Sauf que là, on a un OTAN qui essaie de complètement coincer la Russie. En fait, pour lui, l'une des raisons pour lesquelles la Russie s'est mise à attaquer l'Ukraine, eh bien, c'est parce que l'OTAN, petit à petit, posait des bases tout autour de la Russie. Et la Russie se sentait encerclée par une organisation qui n'est pas forcément amie. Du coup, ça a déclenché la guerre en Ukraine, surtout que l'Ukraine devait plus ou moins rejoindre l'OTAN. En tout cas, c'est une des raisons qu'a donné Vladimir Poutine. Mais pendant cette guerre, l'OTAN trouve très malin d'incorporer deux autres pays à son organisation, la Finlande et la Suède, deux pays qui touchent la Russie. Donc, au lieu de calmer les choses, en fait, l'OTAN jette un peu d'huile sur le feu et essaye de voir jusqu'où il peut aller contre Vladimir Poutine. La Finlande et la Suède devaient donc rejoindre l'OTAN. En tout cas, ils avaient fait cette demande. Mais pour être acceptés dans l'OTAN, Walter Lowe me dit qu'il faut absolument l'accord de tous les membres de l'OTAN. Et c'est là qu'on a un petit espoir, parce que la plupart des membres sont tout à fait d'accord. Ils sont tous plus ou moins va-t-en-guerre, sauf la Turquie. En fait, la Turquie a un gros différend avec la Finlande et la Suède. En fait, Walter me disait que la Turquie accuse la Finlande et la Suède de servir de base arrière, de refuge au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK, il est considéré par la Turquie comme un groupe terroriste. Et il n'y a pas que la Turquie qui le considère comme ça, les alliés occidentaux de la Turquie l'ont aussi classé comme terroriste. Du coup, eh bien, la Turquie dit qu'il n'est pas question que la Finlande et la Suède intègrent l'OTAN alors qu'ils servent de refuge à un groupe terroriste. Et pour l'instant, du coup, les négociations sont arrêtées. Seulement voilà, il y a un sommet de l'OTAN à la fin du mois, le sommet de Madrid qui se tient le 28 juin. Et les membres de l'OTAN ainsi que la Finlande et la Suède auraient aimé que ces deux-là puissent rejoindre l'OTAN à cette occasion. Alors, Walter me disait que la Finlande et la Suède, ce sont des pays neutres pour l'instant. Ils refusent d'intervenir dans des guerres. Et cette volonté d'adhérer à l'OTAN, eh bien, c'est un peu rompre avec cette habitude de neutralité. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils ont un peu peur du voisin russe qui vient d'envahir l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'ils rentrent dans l'OTAN pour pouvoir avoir une protection. Mais de l'autre côté, le voisin russe, il a envahi l'Ukraine tout simplement parce qu'il se sent encerclé par l'OTAN. Du coup, eh bien, cette décision de rentrer dans l'OTAN, ça risque de le motiver encore plus à les envahir. Bref, on a là une sorte de serpent qui se mord la queue. Et moi, je me demande vraiment si on n'aurait pas pu tout simplement trouver un statut spécial à la Finlande et la Suède en disant que, en cas d'invasion par un autre pays, les forces de l'OTAN interviendraient immédiatement pour les aider. Et tout ça sans les faire rentrer dans l'OTAN, c'est-à-dire sans constituer une menace pour la Russie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut qu'on fasse rentrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN au risque de fâcher les Russes, ou est-ce qu'il faut qu'on leur trouve un statut intermédiaire qui fait qu'on intervient si jamais ils sont envahis, mais que s'ils ne sont pas envahis, ils n'ont rien à voir avec l'OTAN? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, eh bien, j'aimerais vous proposer d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les guerres les plus meurtrières. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Je vous mets un lien dans la description. Et le dicton du jour. La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo.
sauf qu'on a le droit à une seule partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.